Qu'est-ce que c'est? Opération grand nettoyage, buanderie, j'ai tout sorti. Petits draps qui sont changés, chambre qui est en train de sécher. Voilà, j'ai tout nettoyé, changé les draps, fait la poussière et tout. Et j'ai fait la sépia à la main, de temps en temps ça fait du bien. Là, on est en train de faire la bascule hiver-été. Et je suis en train de mettre toutes les affaires à Léonie et qui ira à Maeve par la suite. Et je vais prendre l'hiver de Léonie et le mettre dans l'arboire à Maeve. Dids, c'est pas très propre ça, Dids. Il adore le ménage, t'en fous. Ça se trouve, j'ai fait un toqué autant que sa mère. À moi, doudou. Ah oui, ferme. Merci, monsieur. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici ça va, il est midi et quart, je suis en train de faire à manger. À midi, c'est poulet à la marinade. Enfin, je vais pas vraiment la laisser trop mariner, mais je vais mettre quelques petites épices avec petit pois carotte, casse-grain. Et je vais faire un chouïa de semoule avec pour avoir un chouïa de féculent. J'espère que vous, ça va. Ce matin, j'ai été productive. Comme vous avez pu voir, j'ai nettoyé toute la chambre. Toute la buanderie, j'ai fait tourner une machine, là il y a la deuxième qui tourne, je vais faire tourner après le sèche-linge, et j'ai fait la bascule des affaires d'été et d'hiver à Maeve. Voilà, Léonie je l'avais déjà fait, Raphaël lui c'est un peu du pifomètre, mais il faut que je me fasse une petite liste de ce qu'il faudrait que je rachète pour les enfants pour un peu cet hiver, principalement pour Léonie puisque Maeve elle est équipée. À la rigueur Maeve, il faudrait que je achète des leggings en guise de collant, ou alors il faudrait que je prenne des collants épais, mais Maeve les collants ça fait pas bon ménage avec elle, hein. Franchement au bout de 2 secondes ils sont percés, donc voilà, mais elle a 2-3 robes et que je peux pas lui mettre parce qu'elle a pas de collant, donc je pense que je vais lui acheter des leggings en vrai, je lui mettrai des leggings côtelés en dessous, quelque chose comme ça, parce que franchement c'est un peu dommage de pas pouvoir en profiter. Je crois que c'est tout, je voulais, à la base je vous avais dit que je me lèverais et que j'irais courir, mais franchement, c'est un petit peu le rush. Honnêtement, je vais courir, mais je vais courir que ce soir. Je me ferai une petite course ce soir. Où, à la rigueur, vous allez me dire, je pourrais y aller pendant la sieste des enfants. Mais pendant la sieste des enfants, j'aimerais bien... En fait, je suis mitigée parce que j'ai envie de me reposer. Mais d'un côté, de toute façon, demain, il faut que je me penche dessus. En fait, j'ai des travaux à faire pendant que je suis en stage par rapport à mon stage. Donc, j'ai une démarche de soins. Et il faut aussi que je commence à faire mon bilan de mi-stage. Donc j'ai des choses à écrire, j'ai des choses à faire. Parce que jeudi, je fais mon bilan, non Milly, mon bilan de mi-stage. Et j'ai des choses à écrire, des choses que j'ai mis en action. Enfin voilà, j'ai plein de choses à faire. Et ça prend quand même un peu de temps. Donc je vais me pencher dessus demain. Et oui, de toute façon, je suis en train de penser. Non, Milly, s'il te plaît, descends. Viens, descends. Là, je suis en train de penser, je pourrais pas aller courir pendant la sieste puisque je vais manger avant, donc je vais courir ce soir. Il faut absolument que je cours, j'ai tout, ça va me faire du bien parce qu'on n'a pas des enfants très cool aujourd'hui et ça me fera. Hein, je sais pas vous, mais moi elles sentent plus que la neige. Hein. Là, c'est-à-dire, je pense qu'il y a le pôle Nord qui est pas loin. Elles sont insupportables. Maeve ce matin à 6h30, elle est venue taper à notre porte. Donc le temps de la recoucher, je me suis levée au moins 3 fois. Qu'elle s'endorme, machin, après l'avoir envie de faire pipi, enfin voilà. Je déteste me réveiller brusquement et avec cet enfant, c'est un peu le cas à chaque fois. Et c'est très lourd mentalement au quotidien d'être réveillée comme ça. Après, elles ont joué toutes les deux le temps qu'on émerge, mais elles sont pas discrètes, donc elles ont réveillé Raph. Enfin bref. Raph, franchement, je pense qu'il pouvait dormir jusqu'à 9h, 9h30, hein, facile. Mais alors avec les deux autres, bref. Franchement, je vous le dis, hein, je le redis, je préfère travailler un week-end sur deux. Et avoir des jours de repos la semaine pour me reposer. Parce qu'en fait, vu que j'ai que les week-ends pour me reposer, bah en fait, je ne me repose pas. Parce que j'ai tout le temps les enfants. Donc en fait, les grasses mat, il n'y en a plus. La semaine, je suis tout le temps en train de courir partout. Donc franchement, je préfère avoir mes jours de repos. Hein, parce qu'au moins, bah, vous avez des vrais jours de repos. Là, les week-ends, ce n'est pas des jours de repos quand vous êtes avec les enfants. Donc moi, si on me demande de bosser un week-end sur deux, ou d'avoir tout le temps mes week-ends mais travailler toute la semaine, mon choix il est vite fait. Je vous jure qu'il est vraiment vite fait.
Parce qu'au moins, la semaine, je peux faire plein de choses. Je peux... Camille qui a piqué un morceau de poulet. Léonie, s'il te plaît, Vincent, il est bloqué du dos. Oui, Vincent, du coup, le dos, ça va pas mieux non plus. Hein. Donc, voilà. Cet après-midi, on a l'intention de bouger, mais quand je le vois, je me dis... Justement, il faut que je marche. Cet après-midi, on va à la Ikea. Et on va aller à un autre endroit. Millie, je veux pas être voleuse. Attention, hein. Anna, hein. Elle voit mon poulet. Là, si je lâche, j'éclate. Millie, regarde-moi. Non, non. Attention, hein. Et ouais, on va à la Ikea, on va aller faire un tour, ça va nous promener un peu. Et on va aller dans un autre endroit, mais je peux pas vous dire. Parce que j'ai peur que la principale concernée regarde cette vidéo et qu'elle comprenne. Voilà. Mais je vous ferai voir. Doucement, peut-être un temps. Et encore, je sais même pas. Je sais pas. Millie, attention. Ah non. Là, je voulais les emmener genre à Kizu Aventure ou un truc comme ça. Mais alors là, vu comment elles ont pété ça, je trouve. On va à la Ikea, c'est tout. Vous méritez pas d'agir à un jeu. Bah non, ça se mérite ce genre de choses. Bon voilà, du coup, bon là j'ai pas encore mélangé, donc c'est pour ça que je vous montre. Du coup j'ai mis du curcuma, du paprika, de l'huile d'olive, du sel et j'ai mis du piment d'Espelette, là vous savez, mais que j'ai mis au frais. Puisque vous avez raison, quelqu'un m'a mis en commentaire, Manon ça se conserve au frais, et c'est vrai, ça se conserve au frais. Donc là je vais tout remuer et après je vais tout faire cuire sans rajouter bien évidemment de matière grasse. Et du kebab. Au doudou. Regardez, tac. Bon, on est sur le départ. Pas de sieste. Ah, c'est une journée... Voilà. Elles font que se chercher l'une et l'autre. Raph, c'est pareil, il fait des conneries. On cherchait son doudou, il l'avait foutu dans la poubelle. Enfin, bref. Au niveau de la tenue, j'ai juste mis un débardeur noir comme ça qui vient de... comment ça s'appelle? Pop Promode. Promode. Et j'ai mis mon jean B qui me va un peu grand. J'ai voulu remettre celui du mariage. Vincent, il me trouvait très belle dedans. Il m'a dit non, mais ça choque pas. Mais moi, j'ai l'impression qu'on voit que la bouée de mon ventre. Donc, j'ai remis mon jean gris qui me va 10 fois trop grand. Et tant pis, j'ai mis une ceinture pour bien serrer. Et voilà, Vincent est en train de prendre les mesures pour les rideaux au cas où qu'on en trouve et tout. Parce qu'à chaque fois, on va quelque part, on dit ah, ils sont beaux, mais on n'a pas les mesures. Donc, voilà. Franchement, on y va sans option d'achat. On se dit juste, il faudrait qu'on regarde si ça et ça. Mais il faut qu'on change 2-3 trucs dans la maison. Vous savez, des fois, quand vous êtes dans cette phase où vous en avez marre, vous avez envie de tout retourner. Le problème, c'est que moi, c'est tous les 6 mois. Et là, on a envie d'acheter 2-3 trucs. Et donc, on va aller voir. Alors, après, moi, je fonctionne vachement au coup de cœur. Donc, autant vous dire que voilà. Mais écoutez, c'est surtout de les sortir d'ici parce que. Hein, voilà. J'ai préparé le goûter, ça évitera de dépenser de l'argent inutilement. J'ai pris 3 pains au lait, 3 compotes, bouteille d'eau, le gobelet à Maïvi. Qui est très bien, qui se renverse pas. Je sais pas si vous connaissez ça. Ça se renverse pas à l'envers. Il est hyper bien. Celui à Raphaël. Et j'ai pris des petits carreaux de chocolat comme ça, là, pour accompagner le truc. Et voilà, ça évitera de, dès qu'on arrive d'entendre un j'ai faim. Voilà. Et je me suis pris une mini bouteille d'eau au départ. Allez, on va retourner Bob pendant qu'on part. C'est parti. On est où? Nous sommes à... Ikea. Il est tordu, papa. Et du coup, oui, vous avez pu voir, mais c'est moi qui ai conduit la voiture à Vincent. Parce que vu qu'il a mal au dos. Mais il a une grosse, grosse voiture et c'est une automatique. J'ai jamais conduit d'automatique. Et franchement, c'est la vie. Enfin, à la maison, hier, c'était catastrophique. Est-ce que je vais trouver une nouvelle housse de couette, mec? Chaque fois que je viens ici, je repars avec une housse de couette. Là, on est en train de regarder et on a comme projet, non mais il n'y a pas d'eau, de faire un truc comme ça dans le garage. Parce qu'on va sûrement condamner le garage, je vous en ai parlé. Et ça fait vraiment genre, Maïvi, sors de là mon petit chat, s'il te plaît. Ça fait vraiment comme si c'est notre garage, là on mettrait le ballon d'eau chaude derrière. Je fais pipi. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je trouve ça trop stylé l'idée. Ça fait comme un petit truc de danse, j'aime trop. Je vous ai dit quoi? À la base, on vient avec Ikea, mais on regarde juste, hein. Franchement c'est vite fait. Hein. Mec,
On a craqué notre slap. Hein. Non, mais je vous ferai voir, mais c'est bon. Que de l'utile. Hein. Après, c'est que de l'utile, mais l'utile qui coûte quand même un sacré billet là. C'est clair, oh, mais bon. Oh. Comment tu fais là? Ça. Non, moi j'en peux plus. Là, c'est bon. Putain, et nous, c'est tout nous ça. On vient pour rien, on repart. Bon, on est rentré, je dois avoir une tête de folle. J'ai fait prendre le bain bébé Raph et je me suis mis en... Ah, faut que j'enlève ça. En... Je veux cramer le dos, mon cœur. En short, brassière, et je vais me taper un run. Hein. De toute façon, voilà. Franchement, j'étais à deux doigts quand j'ai vu l'heure de dire à Vincent, viens, la flemme de faire les tacos nous-mêmes. On s'arrête d'en acheter des tout prêts et tout. Et Vincent m'a rappelé, il m'a dit, déjà d'une, il faut que tu coupes. Ouais. Il m'a dit, et de deux, il m'a dit, on en aura pour 10 fois plus cher d'aller en acheter 4 que de les faire maison, alors qu'on a tout ce qu'il faut finalement à peu près maison. Ah si, je voulais faire les poivrons. Je vais les couper, je vais les faire. Ah si, moi j'en veux dedans. Ça va pas faire beaucoup de place. De quoi? Bah, ils sont pas gros, les trucs. Bah, quoi, je peux m'en faire à côté. Non, je peux m'en faire à côté, tu sais. En légumes, au four, tu sais, comme j'avais fait là, l'huile d'olive, c'était super bon. Bah, pour, pas pour toi, mais pour moi. Bref, et du coup, bah non, du coup, on s'est arrêté à Discountal. C'est un magasin, du coup, oriental. Et bah, où on trouve généralement les grosses, grosses galettes, vous savez, je vous ai déjà fait voir. Sauf qu'on y va, il y a tout sauf ça. Donc, bref, il a repris alors qu'on en a, hein, du coup. Hein. Ça se trouve, les autres, elles sont plus grosses. Non. T'as pris les. Ouah. Ce soir, je te mettrai de la Saint-Bernard. Hein. Ah bah oui, je vais te masser. Moi aussi, j'aurai le droit d'un petit massage. Des pieds. Tu vois? Ça, c'est celle que j'ai achetée en terre. Hein. Excusez-moi. Hein. C'est la même chose. Comme 320 grammes. C'est pas les grammes. Ah non, 450, 20 cm. Et là? Vas-y, on parie un truc. Non. Je parie de faire toute la cuisine à cloche-pied si j'ai raison. Je te dis que c'est pas, les mêmes. Je peux pas, moi j'ai mal au dos, c'est facile. Bah toi, si t'as tort. Ah si, 20 cm. Ah. Attends, fais-moi. Ça fait 20 cm. J'aurais dû parier un autre truc. C'est pas grave, on est arrivé. Oui, c'est pas grave, mais elles sont meilleures. Et moins grasses. Elles sont véganes. Voilà, elles sont moins grasses. Ah, je sais pas, fais voir. Alors, fais voir. Protéines 8,2. Non mais prends pour ça. Ah bah si, non mais je regarde. Il y a plus de protéines dans celle d'Inter, déjà. Je fais mes lunettes en fait. 296 calories. Ah, 3, attends. 327. Ouais. Pour 100 grammes. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Ah, sucre. Sugar, c'est sucre. Sugar, le sucre, 2,4. Oh, là, il y en a beaucoup plus hein, dans tes véganes. Bon, bref, voilà. Et il a acheté quoi, le padré? Il a acheté, je suis prêt là. Je vais goûter. La sauce cheddar. Ouais, mais chaque fois qu'on l'a fait, ça vaut pas là, ce que... C'est vrai. Nous, on adore la selle comme ABK. Et encore, je crois qu'ils ont baissé en qualité. C'est pas la même qu'au début. On adore comme, vous savez, les frites sur ABK et on met du bacon. Tu vas faire ça? Oui, il y en a beaucoup. C'est marqué conserve. Si on met dans un tube, tu sais, dans un truc, dans un bicelle, le pur bicelle. Ah, je suis pas sûre. On te peut-être. Bah, déjà, il n'y a pas. Attends. Congèle, deux fait. Jours après ouverture. Donc même sous B-Save. Et si je congèle? Tu sais, tu fais des. Des glaçons? Des glaçons. Je sais pas, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, beaucoup là. Bon, écoutez, voilà. Donc du coup, il a fait ce et défi. Bah, ah, il a acheté de la viande kebab, du coup, on a vraiment fait nous-mêmes. Viande kebab. Là, il a fini de faire c'est les frais, frites. C'est frais. Et voilà, et Raph du coup il mange de la viande à kebab avec des frites. Écoutez.
Attendez. Bon, bref, on va faire manger les enfants. Bon, du coup, ça y est, j'ai couru. J'avais ma plus grande supportrice avec moi, j'avais Léonie. Elle m'a regardé courir et elle me disait « Maman, tu cours tellement vite que quand je regarde tes pieds sur le tapis, ça m'a fait tourner la tête. » Elle me donnait de l'eau quand j'avais besoin et tout. J'ai fait 5,3 km et des brouettes en 33 minutes et quelques. J'aimerais bien réussir à passer le palier où je fais 5 bornes en 30 minutes. Mais je pense que si je vais dehors, j'arriverai facilement peut-être à les passer. Enfin, facilement. Je gagnerai plus que sur le tapis où votre vitesse, elle est... Mais bon, voilà, c'est fait. C'est fait. Franchement, je pensais pas courir ce soir, j'avais vraiment vraiment la flemme, donc je remercie mon mec parce que il sait que c'est important pour moi de courir et que faut pas que je perde le rythme. Parce que si je me serais écouté ce soir, c'est français de dire ça, si je me serais écouté. Quoi ? Si je me serais écouté, c'est pas français du tout là. Non, c'est si je me si je m'étais écouté. Si je m'étais écouté, j'aurais acheté un kebab tout prêt ou un tacos tout prêt et j'aurais pas couru parce qu'on l'aurait mangé direct. Donc C'est aussi grave que non, c'est un peu mal. Je suis pas sûre. Si, parce que non, parce qu'on met pas de trucs trop industriels dedans. Tandis que eux, ils achètent tout des trucs industriels. Après, c'est vrai que c'est pas industriel. Bah oui et non, mec, c'est nous qui mettons nos ingrédients dans nous-mêmes. Un kebab surgelé, c'est pas industriel. Les frites surgelées, c'est pas industriel. Ouais, j'avoue que là, on fait. C'est tout industriel. Ouais, le seul non. truc qu'il y a pas, c'est la crème. Ouais, non, là on est sur de la nourriture hyper calorique. Là, y a pas... que ça coûte moins cher. J'étais trop fort. Ça coûte moins cher, c'est vrai. Ouais, ça coûte moins cher. Écoutez, on se fait plaisir. Ouais. Et j'ai couru, même si ma course ne sert à rien pour tout ce qui est. Non, ma course ne sert pas à ma perte de poids ce soir, mais elle sert à mon endurance. Elle sert à manger ça. Mais non, tu dis que tu vas pas super vite, mais je pense que je vais vraiment t'enregistrer, tu vas voir comme tu vas vite. Bah oui, parce que Léonie, dans la voiture tout à l'heure, elle dit oh, elle dit comment t'as senti ça? Tu cours pas super vite, hein, sur le tapis. Oui, elle dit oh, ça va sur le tapis, maman, tu cours pas non plus super vite. Du coup, on s'est regardé avec Vincent, j'ai dit oui, bah elle a raison. J'ai pas une allure d'une fille qui fait ça depuis 15 ans, quoi. Et Vincent, il a dit. Je pense que tu te rends pas compte que maman, quand même, elle court vite, un petit peu quand même, et longtemps surtout. Et du coup, quand elle est restée à côté de moi, elle m'a regardée à la fin, elle m'a dit « Mais je pensais pas que tu courais aussi vite, maman. » Mais bon, après, je cours pas trop vite, mais je tire longtemps. Enfin, tu cours quand même vite, quoi, vraiment. Là, j'ai couru à une allure de 6,36. Je suis passée 6,36 par tour. C'est comme si tu allais de haut en haut. Ben là aujourd'hui j'ai fait 5,3 km, donc c'est comme si je faisais de la maison. Comment je pourrais lui dire où... Tu vois le plan d'eau pour nous? Oui. Et ben c'est comme si je faisais deux tours du plan d'eau. Donc de la maison jusque là-bas, non. Tu fais deux tours? Deux tours à peu près, parce que c'est un peu plus. Mais deux tours, on va dire, en courant. Donc je fais m'arrêter. Vais jusqu'à la maison, je fais... Ah non, pas jusqu'à la maison, je m'arrête là-bas. Je m'arrête à la gym. Je me gare à la gym. Et de la gym, je fais deux tours plein d'eau et je reviens. Ça fait environ ça. Environ. Non, on va y courir après. Après, maman, elle court des fois plus. Hein. La dernière fois, j'ai couru comme si je faisais... 5 tours plein d'eau. On va dire. Et une fois j'ai fait même plus. Mais là j'en suis. Si je pourrais les tenir, je pense, à une petite allure, mais faut y aller progressivement dans la course à pied parce que c'est là que tu te fais mal et que tu te blesses. Faut y aller progressivement. Le tout c'est pas de faire 6 bornes tous les 3 semaines ou tous les 36 du mois. Le tout c'est d'être régulière dans ta discipline et après tu augmentes petit à petit. Quand ton corps il encaisse les chocs et qu'il travaille son cardio. Oui, mais je te conseille de quoi tu veux, on voit pas trop ta jambe parce que c'est là que tu peux te faire mal. Ah bah on oui. voit quand même ta jambe, mais pas trop. Je fais déjà une petite foulée, moi, j'ai des petites jambes. Et d'ailleurs, demain, je suis en train de penser, parce que je rebondis, je passe du quoi qu'elle aime. Demain midi, on fait un, enfin, demain ouais. matin, on fait un brunch. Du coup, je vais regarder, j'hésite à faire la pâte à pancake ce soir. Comme ça, demain matin, elle sera déjà prête. 2h30, tu feras demain, ouais. Je ferai demain matin, par contre, on attendra un peu pour déjeuner. Demain, c'est journée dimanche et journée décoration.
Oui, et journée, journée maman, faut qu'elle se pose sur ses cours aussi. Hein. Même obligatoire. Parce que là, aujourd'hui, j'en ai pas fait. Donc, voilà. Écoutez, on va manger des bonnes frites surgelées et un bon tacos fait par mon homme. Non, il y a mon poulet de midi que j'ai mis dedans. J'en ai un au poulet et j'en ai un au kebab. Hein? Enfin, c'est des petits. Hein. Attendez, parce que... Attendez, dit comme ça, j'ai l'impression. Non, t'inquiète pas, regarde. Ouais, ils sont petits quand même, ils sont pas très gros. Hein. C'est pas des gros trucs non plus. Bref. Ah si, je voulais vous montrer quelque chose. Je vous montre pas les achats d'IKEA aujourd'hui parce que c'est tout dans le coffre et on fera tout demain. Voilà, clairement. On a craqué. On a craqué notre chip. Mais ça fait du bien, de temps en temps. Même si, comme je disais, on abuse. C'est pas la période propice pour, mais encore, il y a plein de trucs. En fait, il faudrait qu'on se fasse un listing. Tu te rappelles une fois, on l'avait fait. Mais j'en ai un sur le De ce qu'on aimerait faire et tout, de ce qu'on ferait qu'on achète. Parce que des fois, on va quelque part, mais on n'y pense pas. Si, je voulais vous faire voir, j'ai commandé sur Shein. Je cherche le truc. Il est où, mon mec? Voilà. Alors, j'espère que c'est ce que je pense. Parce que si c'est ce que je pense que Léonie sera très heureuse et qu'elle ne va pas du tout. Si on regarde le match de rugby qui, pour Vincent, est truqué. Ouais. Attends, retourne-toi, je vais vérifier que ce soit ça, s'il te plaît, mon chat. Je vais te faire voir, de toute façon. J'espère que c'est ça. Et j'attends d'autres choses, mais le truc, c'est que... J'attends d'autres choses. Si c'est pas ça, je... Ah, non, c'est ça. Attendez, je leur montre et après je montre à Léonie. Je ne sais pas ce que c'est sortir. Elle va pas reconnaître. Non, attends, si elle va reconnaître. Léonie, attends. À moi, t'as acheté ton déguisement d'Halloween. Ouais. Tu reconnais ce que c'est? C'est quoi? C'est mercredi. J'aime trop. Là, t'as le bandeau. Oui, j'attends d'autres choses. Je l'ai prédit ? Peut-être pas. J'attends d'autres choses, mais je l'ai dit tout à l'heure. Et j'en ai commandé une pour ta soeur aussi, mais tu le fais pas voir, tu la mettras dans ta chambre. Dit ? Ouais. Mais pas une comme ça, une dans le même esprit. J'attends d'autres choses. J'attends d'autres choses. Mais il y a l'actrice qui vient. T'as le bandeau. Tu veux imagine. Le mettre ? Imagine. Vas-y, essaye-la. T'aimes bien ? Elle est belle, hein ? Je l'ai pris sur Shein et je l'ai payé une dizaine d'euros. Hein? Tu sais quand t'as chance. Oui. T'aimes bien? Ouais, et du coup, je me suis dit que pour Halloween, je vais te mettre ça. Bah oui. Et je te ferai deux nattes. Et je te mettrai du truc noir partout. Mais c'est logique. C'est logique. Bah, c'est logique. Ouais, mais là, tu fais ça, je vous jure. C'est logique. Hein. Tiens, vas-y, essaye-la. Que je regarde comment ça va. Allez, je vous laisse ici, moi, parce que c'est content que je papote là. Oh, 8 minutes 20, j'abuse. Je vous fais des gros bibis, des gros gougous, des gros billes. Bisous. Bisous. Et on vous dit à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao. Ah bon? Vous n'imaginez même pas. Non, j'imagine pas. Quoi par exemple? Par exemple, les oreilles.